Bonjour mesdames et messieurs co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Québec, euh, au bord d'un lac. Euh, c'est magnifique ici. Merci d'accepter cette, euh, cette interview, Chumis. Ah Merci et bienvenue, t'es chez vous ici. Oh, c'est ouais. tellement bon. J'adore me rapprocher d'entendre de, un petit peu plus parler des cultures amérindiennes. Je ne sais pas pourquoi je m'en sens proche et je sens qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde entier. Qui, euh, qui a envie d'accueillir euh, ses coutumes aussi. J'ai envie de parler de coutumes, j'ai envie de parler de la guérison ou de la réconciliation qui est en train de se passer et qui se passe en ce moment avec une histoire qui a été très lourde. Vous êtes vous-même chef héritier des Long hein? C'est ça, je suis euh, le chef héritier <coughs> que mon père m'a transmis euh, toutes ses savoirs. Alors c'est tout un honneur de, présent, de représenter ce monde-là et de continuer aussi leur... Euh, vision dans la, la future. Alors nous sommes des peuples algonquins oui. et, euh, ici. Il y a plusieurs aussi. On a neuf différents, les peuples ici à Québec. Alors qui ont toute la même philosophie, la même croyance. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup divisé, les, les, la croyance. Il y en a qui, qui ont resté catholiques parce qu'on voulait être évangélisés et, et tout. Il y en a qui, ont, qui sont des témoins Jéhovah. Yeah. Tout ça des différents. C'est une l'année euh, <coughs> où les, les peuples essaient de se retrouver. Alors euh, pas. Un rassemblement, il faut un rassemblement maintenant. Ah si, oui, absolument, parce que le grand-père, euh, mon grand-père à moi, que quand on dit le grand-père, c'est lui mon maître qui est, il est décédé il y, a, il y a deux ans, 97 ans. Alors euh, c'est un peu mon J'étais son bras droit pendant 35 ans. Alors, je dois continuer que, euh, toute la vision de grand-père et euh, aller dans le monde entier. Qu'est-ce qui, qu qui est beau aujourd'hui? C'est vous autres. C'est parce que vous, vous revenez avec des belles choses. C'est sûr qu'on ne peut pas généraliser là, avec euh, tout qu ce qui s'est passé euh, et tout ça. c'était On appelle ça maintenant, ça fait partie des enseignements. Et euh, il ne faut pas rester dans la dans la souffrance comme victime. T'sais, on a compris d'être victime parce qu'on était longtemps dans la victime. Et euh, je n'aimais pas les Blancs. J'étais, euh, avant de ne pas aimer les Blancs, je ne m'aimais pas. Alors on était euh, forcé d'aller dans cette direction-là qui mm. est pas d'amour. C'est de mentir et mm. tout. Puis ce n'était pas les enseignements de nos ancêtres, hein. mm. parce qu'on est des gens pacifiques. Mm. On est des gens pacifiques. Et euh, cette euh, nation-là, c'est des peuples nomades, mm. Anishinabe. On, on dit Anishinabe parce que c'est vraiment identifier qui es-tu et qui je suis. Mm. Et, nous sommes Anishinabe tous les deux parce que pourquoi tu es ici, à l'entour des, mm. des arbres? Hein? C'est parce mm. que tu fais partie de notre famille. Il n'y en a pas de division chez nous. Alors, moi, j'aime voir marcher quelqu'un sur la terre sacrée. Mm. Nous, on n'est on est pas encore déracinés, puis on est content de ne pas être déracinés parce qu'on aurait pu être déracinés. Mais euh, mm. tout est là, je peux dire mi gouach mi ça veut dire merci, mi miigwatch mi à mes ancêtres. C'est eux qui ont tenu là, vraiment là, au bout de tout tu étais déjà tout petit on t'a nommé comme un enfant avec un destin un peu spécial maintenant ton ton grand-père tu es devenu toi vous êtes venu vous-même je tutoie je vous vois vous-même vous êtes venu un grand-père et l'aîné en fait qui doit transmettre ses, ses coutumes aussi et ce message de paix il y a une transmission quel est vraiment le message aux, aux autres indiens et aux blancs et aux canadiens et aux personnes du monde entier parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de savoir à transmettre aussi et qui peuvent comme vous le disiez tout à l'heure nous éveiller, de passer d'un monde de victimes à un monde d'amour. Hein. S'il n'y aurait pas eu de votre génération, parce que vous avez fait un pas envers nous, et c'est ça qui est merveilleux pour nous. C'est parce que c'est quelque chose là, c'est ça qu'on qu a manqué. On, vous, on a manqué nos frères et C'est Là, vous êtes ici pour euh, qu'on puisse partager tous les deux dans le monde entier. Les peuples Jaunes qu'on les appelle les, les asiatiques, le peuple rouge, le, nous et le peuple noir, le peuple blanc. Chez nous, ça a été toujours. Il n'y avait pas de différence. C'était. Euh, on était dans le. Nous, on travaille toujours dans, avec le cercle parce que la terre est ronde, le soleil est rond et la la lune elle est ronde. Alors est, toutes les toutes les tipis sont, sont rondes. Mm -hmm. Alors euh, alors <coughs> on a on a appris aussi à d'autres cultures et euh, moi je suis content de ce matin de vous rencontrer parce que on se comprend. J'utilise ta langue et euh, alors c'est cette langue-là que vous m'avez prêtée. Prêté. et euh, je conserve avec euh, précieusement pour euh, des belles paroles. Tu sais, avant, c'était pas beau, les paroles que, ce que je disais avant, parce que j'étais blessé. J'étais euh, un enfant maturisé euh, physiquement, mentalement, sexuellement et tout. Ça a duré pendant six ans, renfermé. Dans et les pensionnats, hein, ces pensionnats qui vous ils prenaient, en fait, ils vous ont pris des, 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 de, 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 de vos villages et vous ont mis dans un pensionnat religieux. Et là, il y a eu des abus. C'est ça. Ça a été complètement déraciné de nos parents. Et euh, on a perdu nos parents. Puis, pourtant, au début, moi, je suis venu au monde dans la forêt. J'ai été élevé avec les animaux. J'ai été élevé avec les petits oursons. Mm -hmm. C'était la vie. Puis on pouvait aller dans la rivière. On pouvait aller au lac, puis se baigner, euh, marcher dans la forêt. Il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, à ce temps j'ai peur d'aller en ville. J'ai euh, surtout euh, dans les grosses villes, euh, je ne je me sens pas bien. Je tombe malade parce que j'ai euh, je revis encore la brutalité euh, à l'intérieur de moi. Parce que c'est pas c'est pas demain que la, la guérison y arrive. C'est un long processus de, pendant six ans renfermé. Et euh, je ne veux pas dire non plus que tu ils étaient tous comme ça, les, les, les gens qui, qui, qui étaient là. C'était des missionnaires, des frères, des religieuses. Il y en avait là des, des bons qui, qui étaient avec nous, qui, qui nous protégeaient, mais il n'y avait pas de protection en dehors de l'école. Mmh. C'était à l'intérieur. Mmh. On n'avait pas le droit de parler notre langue. Mmh. Et à chaque fois qu'on voulait parler notre, entre nous en, en, dans notre langage, on a, il y avait toujours une pression, de la peur, parce qu'ils nous menaçaient de couper la langue. et euh, Ou bien, combien de fois que j'ai mangé du savon? Ils mettaient du savon dans ma bouche parce qu'ils me disaient, c'est la langue sale, alors, faut, alors il nous mettait des, des, du savon dans, nos, dans la bouche, puis jusqu'à temps qu'il ne reste plus. Tu dois la garder. Alors ça, ça, ça attaque le système intérieur. Alors, ils nous amenaient à l'infirmerie. On était malades et ça se passe dans des vias. Pourquoi ils avaient cette haine Pourquoi ils avaient cette colère eux-mêmes alors qu'ils sont venus sur, sur vos terres Je pense que c'était euh... c'était pas ces gens-là. C'était pas de vrais missionnaires ni des... c'est pas des vraies religieuses. Ils ont... Profiter le système de l'Église catholique. Et pour moi, je pas, j'ai rien contre l'Église catholique. C'est pas, c'est pas, c'est pas l'Église catholique. C'est l'homme malade, des pédophiles. C'est, eux qui sont malades. Moi, j'ai, j'ai identifié comme ça. J'ai travaillé pour la guérison. J'ai trouvé par cette façon-là, parce que j'avais des jugements. Mmh. J'ai jugé des blancs, j'ai jugé mes parents, j'ai jugé tout le monde. Mmh. Sauf, je ne jugeais pas les, les pédophiles. Mm. Mais on ne connaissait pas ça. c'était pas dans notre culture. c'est pas dans notre. Euh, ça, on n'a jamais vu ça. C'est un truc naturel. Non? non, 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 non. Puis, à un moment donné, mais nos parents aussi ont été évangélisés. Hein, puis, euh, alors, essayer d'expliquer de, mes parents, dans ma langue à moi, comme de quoi j'étais abusé sexuellement, ça ne se dit pas. Non. Et il n'y a pas de mots pour ça. Alors c'est même physique. Euh, euh, physique, c'est ne pas au goût. Ça veut dire j'étais fessé par le curé ». Alors nos parents, ils nous disaient, tu pas le droit de parler comme ça, le représentant des dieux. Alors quand il nous a dit ça, ça nous, ça nous a fermé encore plus. Qui va nous aider? Qui va nous sortir? Puis, en fin de compte, on est devenu grands. Et, et c'est là qu'on a pris la, notre position d'être un guerrier. Alors, on voyait le mal, puis on voulait plus, on le croyait plus l'évangile, le, 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 même l'histoire du Canada, c'était très très mal faite l'histoire du Canada aussi. ça. ça C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les bons éléments qui ont été placés dans les livres d'histoire. Non, ça a toujours été la violence qu'on était ici, qu'on était comme ça puis on voyait parce que nous on est très très visuel aussi on pouvait lire il y avait trois quatre petites phrases on pouvait lire que puis on parlait de nous en lisant que on voyait le, le, le blanc attaché pas les pieds puis l'Indien il l'amenait vers le feu il brûlait mm. ça c'était euh, vraiment malsain de le, vraiment nous détruire par cette image là. Alors euh, on est très très visuel même aussi en hein, parlant de Dieu et le diable. C'est euh, ça c'est quelque chose aussi dans notre croyance. Ça n'existe pas. Oui ça existe le, le Grand Esprit. C'est comme votre Dieu à vous comme le Bouddha et, et tout ce que tu peux euh, dans la, la croyance. Il y a toujours la même c'est la même personne qu'on qu qu croit. Mais les diables, on n'a jamais vu, on n'a jamais oui, entendu les diables. Vous n'êtes pas dans la dualité. Il hein? n'y a pas de dualité, il n'y a pas de, de blanc ou de noir. Non, du tout. non du tout. Euh, chez nous, on est vraiment l'esprit libre. Oui. Et euh, on est assis ici à l'entour des, des arbres, de euh, la médecine. Moi, j'appelle ça toute la médecine parce que <coughs> des, euh, quand les blancs sont arrivés ici pour la première fois, c'est ces arbres-là en arrière de nous que les Blancs y ont été sauvés. C'est pour ça que vous êtes ici. Parce que euh, tous les Blancs qui sont ici, c'est grâce à, à cet arbre-là qui est devant nous, qui ont, qui ont survécu parce qu'ils sont arrivés ici avec un bateau pendant plusieurs années. Et <coughs> il y a eu la contamination entre les hommes parce que c'était juste les hommes. Alors, euh, il n'y avait pas de rats ici non plus. Les, les rats sont arrivés par bateau aussi. Alors, la transmission vive avec ces animaux-là, on veut on veut pas, ils attrapent le microbe et, et tout ça. Les, euh, alors, ils sont arrivés ici, qu'on appelle Le scarbu, c'est ça. C'est une maladie qui, qui tue. Il n'y avait pas de. de C'était l'empoisonnement. Alors, les Indiens, ils ont vu que les Blancs, ils mouraient, puis ils mouraient, puis ils mouraient, puis ils ont dit ça, ont pu... On peut donner notre médecine, on va les sauver. Alors, ils ont donné cette médecine-là. Et euh, c'est la raison pourquoi les Blancs sont encore ici. Et euh, pas dire un miigwetch, merci à nous. Miigwetch à la nature. Ouais. C'est la nature. Ça fait partie hein, de la coutume, de vos coutumes, de dire merci quand vous donnez. On tout que ce... recevoir <coughs> ces données. Ouais. Ouais, et on donne, mais on reçoit aussi. C'est ça le problème des humains. Là. Ils donnent trop. Ils ne reçoivent pas assez. Mm. Ils ne savent pas comment recevoir. Mm. Et euh, c'est un message que je fais. Là. Prenez le temps de dire je reçois puis mi de... Alors, ce n'est pas juste donner. Donner, 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 donner. Ce n'est pas, pas une bonne façon. Tu pas là. Tu t'oublies. Hein? Alors, euh, il faut être humain, il faut être un ishinabé tous les jours. Mm. Alors, moi, je ne trapue, je ne chasse plus non plus. Euh, euh, J'ai mes frères, mes, mes soeurs qui m'en donnent. Fait que pourquoi aller à la chasse? De toute façon, je n'ai pas le temps. <laughs> <J 'ai>, euh, <coughs> Qu'est-ce que je fais? Je travaille dans la médecine, je fais ma médecine moi-même. Qu'est-ce euh, euh, qu que vous voyez en arrière de nous? La tente, c'est vraiment mon clinique à moi. Mm. Est-ce que vous êtes homme euh, médecine, donc est-ce que c'est comme un chaman? Euh, le mot chaman, pour nous, c'est très, très... quasiment négatif. Oui, ouais, parce que chaman, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est des gens qui travaillent avec des mauvais esprits. Alors, euh, on n'emploie pas ce mot-là ici. Et euh, c'est les missionnaires qui est emporté ici, okay. parce que ils trouvaient que nos femmes médecines et hommes médecines, c'était des chamans, c'était des mauvais esprits. Alors, ils ont tout apporté, ils ont tout fait pour détruire la croyance. Et euh, <coughs> malgré euh, nos ancêtres, mon père, grand-père, euh, grand-mère, maman, euh, ils ont toujours protégé. Vous savez que euh, ma mère... C'est une femme extraordinaire. Toutes les femmes, c'est extraordinaire. La, la, la femme a vraiment sa place dans votre culture. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Euh, sans la femme, on ne peut pas rien faire. On ne peut pas rien faire. Alors, parce que les femmes, ce sont tous des femmes médecines. Même vous, vous êtes femme médecine parce que vous êtes une porteuse d'eau. Alors, toutes les femmes, c'est comme la terre. La terre donne la vie, la femme donne la vie. Alors, c'est réciproque. C'est euh, la femme et la terre. C'est vous autres qui vous tenez la terre. C'est votre maman. Puis nous aussi, c'est notre maman. Alors, nous, on est là pour supporter, pour protéger la médecine en arrière de vous. On, il y a des guerriers pour ça qui, qui protègent tous les jours. Alors, moi, je suis. Et je trouve que les, les femmes, ils ont perdu beaucoup de place. Hein? Avec tout ce qui s'est passé dans notre histoire. Et euh, les femmes elles ont été écrasées par la, la, dans la vie politique, dans les règlements et, et tout. Même à l'école, on a tout perdu. Notre... Nous, comme enfants, j'ai été euh, vraiment battu psychologiquement et physiquement aussi. Même mes sœurs. Alors, euh, c'est pour ça qu'on est peut-être plus fort que. Que jamais, tu sais, puis on a, c'est, ça fait partie dans la, dans notre histoire. Et euh, Mais plutôt, ça que... on en parle. C'est pour ça que c'est important de, 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 qu'on passe ce moment-là et qu'on qu transmette ça et qu'on partage ça, parce que vous avez compris, comme on disait au début de l'interview, ce que c'est d'être, de passer de victime à vraiment reprendre son pouvoir et redevenir même homme médecine qui peut même guérir d'autres personnes. Alors, quel, quel est vraiment le message Parce qu'il y a beaucoup de blancs, de rouges, blanc, de noirs, de, 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 noir, de jaunes qui se sentent. Euh, mais déraciné, perdu, il y a de la souffrance. Beaucoup d'hommes vivent dans la peur, on est d'accord Et que, quel est, quel, comment passer justement Quel était le moment pour vous de passer de ce rôle de, 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 de victime justement à, à, à hop, ça y est, on retrouve, on se réenracine et on se retrouve qui nous sommes Nous avons euh, les enseignements qu'on appelle les enseignements de sept grands-pères. Et où on peut dire les sept feux sacrés en mm. intérieur de nous. Mm. La, la première qu'on reçoit, c'est la Renaissance, le matin. Moi, un matin, je me suis levé avant que le soleil se lève, et euh, j'ai salué l'arrivée du jour. Mm. Je me suis engagé aujourd'hui pour te recevoir. Mm. Pas hier, mm. aujourd'hui. Mm. C'est aujourd'hui qui est important, mm. pas demain. Hier, c'est passé, c'est terminé. Aujourd'hui, je me suis assis à côté de toi. Alors, de ne pas vraiment souffrir pour l'autre aussi. Il ne faut pas que les gens disent c'est notre faute. Ce n'est pas vrai. C'est le, le système qui, qui a fait qu'on euh, qu souffre tout le monde. Pas, quand la Terre souffre, nous souffrons aussi. Alors, euh, quand on souffre, la Terre souffre aussi. On est, on est tellement communiqué, vraiment dans les, les deux pieds sur la Terre. C est, c est, moi, j'aime ma marcher le matin, je mets des choses, puis je m'en vais. Même l'hiver, mm. je vais sortir pour dire tous nu, pour recevoir ce cadeau-là. C'est juste, c'est psychologique, la, la chaleur, le froid. Mm. C'est un cadeau qu'on reçoit. Alors, ça s'appelle la, la renaissance, tous les matins. Ce... Moi, je bois de l'eau tous les matins. Avant de faire quoi que ce soit, je bois de l'eau parce que ma mère a donné 18 enfants dans la forêt. On est 18 enfants. Mm. Imagine, maman, il, il était là tous les jours pour nous enseigner. Et papa, lui, il nous enseignait la, la survie en forêt, la survie aquatique. Alors, le respect. Toujours le respect. Alors, la renaissance, c'est important. Après ça, le respect de soi, de te respecter. De ne pas penser l'autre avant. C'est toi la plus importante sur la Terre. Si tu veux être bien, il va falloir que tu nettoies tout alentour pour que tu puisses donner les enseignements. Si tu n'as pas ça, c'est... Je demande toujours les gens, retire-toi avant. Reviens quand tu vas être plus forte, plus fort. Alors, c'est l'autre, c'est l'acceptation. Ça, c'est la, la troisième, de s'accepter, accepter, accepter que, que tout ce qui s'est passé, c'est il faut classer ça dans les, dans la, dans les enseignements. C'est pas les, Oui, on souffre, mais il faut pas rester là. Il faut pas rester. Je ne dis pas aux gens de, de tourner la page et terminer. Non, non, c'est pas ça. C'est la guérison. C'est long, long, long un processus de guérison. Et euh, alors l'acceptation qui va avec de se pardonner et de pardonner euh, tout le monde. Et c'est euh, -ce pardonner l'ignorance de quelqu'un qui a pu nous faire du mal. C'est pardonner quoi en fait Il faut pardonner. Il faut voir euh, tout positivement. Okay? Moi, chez nous, on ne on, on tranche pas les affaires. T'sais. Tout ce qui est fait, c'est fait le mal. C'est là. là Il faut regarder tout ce qui s'est passé. Puis analyser. J'y vais où avec ça? Est-ce que je mets encore dans mon sac à dos en arrière et le traîner toute l'année? Puis toute la vie? Non. ouais mon sac est vide, moi. Mm. Je, moi, je vole comme un aigle, comme euh, les plumes d'aigle. Puis euh, je euh, ne suis pas parfait non plus. Je suis un être humain, tu sais, euh, mais j'ai eu euh, le pardon. J'ai pardonné. J'ai pardonné. Je n'ai pas le droit de garder qu'est-ce qu'on m'a transmis. Je suis allé voir mes habitants et euh, je les ai remis qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Je dis par la parole, j'ai dit ça, je n'ai plus besoin, ça t'appartient maintenant. Mmh, cest veut dire qu'on le, le rend à la personne qui nous a abusé. Ah, je plus d'affaire à souffrir, j'ai souffert pour lui, j'ai souffert pour moi, ça ne m'appartient pas, mmh. ça ne m'appartient plus. là. Mmh. Je, je, je l'ai remis mmh. et euh, c'est à lui maintenant de gérer. Je ne dis pas quoi faire. Euh... À, moi, j'ai trouvé que ce que j'ai à faire, c'est euh, j'ai trouvé l'amour à l'intérieur de moi. Je m'aime aujourd'hui. Puis euh, avant, je n'étais pas capable de dire euh, des euh, des femmes que je t'aime. Je n'étais pas capable. Encore moins les hommes. Puis aujourd'hui, à ce stade je suis capable de serrer dans mes bras un homme, une femme aussi, puis de dire qu'ils euh, ça veut dire je t'aime comme tu es. Alors, euh, c'est de se retrouver. Si tu es capable de te retrouver, tu es capable de donner. Alors, tu reçois et tu donnes. Mais pas trop donner, parce que tu euh, faut être débalancé. L'équilibre n'est plus là. Alors, euh, la quatrième, c'est le guérison. Et euh, le guérison, ça prend la vérité. Honnête était avant. faut que tu sois honnête. Envers toi. Pas envers les autres. Envers toi. Mm -hmm. Et ensuite, la vérité. Puis le dernier, c'est le courage. Mm. De ne jamais abandonner. Mm. Alors, chez nous, on a eu des... C'est guerrier, ça, hein? le courage. Hein? Oui, c'est guerrier. Puis en même temps, tous les enseignements. Hein? Et ça vient de la forêt. Ça vient des animaux. Alors papa, il disait toujours, euh, tu es un petit garçon. Puis il regarde les castors qui nanchent. » Il dit, lui, il comprend la vie. Tu dois comprendre comme lui. Et euh, Alors moi, je me, je me baigne avec les castors, Rasta. Ils viennent me voir les castors. Je prends mon temps de m'amuser avec eux. C ils sont c des amoureux de la nature et nous, nous amènent. Alors quand que le castor est blessé, il ne reste pas là. Il va tout de suite se guérir en guérison. Par la terre-maman. Si la personne détruit les, euh, les barrages, nous, on comprend le barrage quand que le castor, parce qu'il a besoin de l'oxygène pour ses enfants. Mais des fois, les, les gens malfaisants, ils vont prendre le dynamite, puis ils vont faire sauter le barrage. Mais combien qui détruit les esprits, là La guérison, ça se passe à quel niveau C'est pas seulement physique, hein? ça se passe à un, à un autre plan avant. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à guérir, en fait ben, Je pense que c'est le, les douleurs internes, l'âme. La première chose, c'est ça. Travailler pour la guérison de l'âme, de, de, de te trouver. Qui est qui est vraiment qui es-tu puis euh, la fierté d'être fier qui tu es il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour la guérison dans, à, à l'intérieur puis euh, des fois les gens ils disent Ah, euh, oh, que je me être indien ils disent comment on peut devenir indien mm. ils disent tu ne pourras jamais devenir indien mais tu peux être devenir toi-même mm. Chez nous aussi c'est la même chose, des Indiens qui viennent ici, ils me demandent, ils disent comment ça, es... j'ai juste des blancs qui viennent te voir. Mais ben, je dis parce que tu n'es pas là. c'est... Euh... il faut être. Euh... Ouais, ils hum? il, il, il se sentent aussi un petit peu certains Indiens Amérindiens euh, peut-être trahis par ton rapprochement avec les blancs. A... Quelle est la dynamique là Non, parce que du tout, non, 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 c'est, euh, c'est pas du tout ça. C'est que et euh, vous savez, avec euh, toutes les. les euh, Qu'est-ce qu'on a perdu? Il faut que ça revienne. Mm -hmm. Alors, il euh, n'y a pas beaucoup d'Indiens qui, qui peuvent retourner dans la forêt à les vivre. Mm. Et euh, avec la nouvelle technologie et tout, puis euh, moi, j ai, j ai, j ai, je ne touche pas à la technologie. Puis, euh, si, je ne connais pas ça premièrement, puis je ne veux pas connaître non plus. Oui, il y a de bonnes affaires là-dedans, euh, c'est comme ça qu'on se communique pour euh, que vous soyez ici. Puis, euh, mais ce n'est pas moi, je ne suis pas dans, la, dans cette ligne-là. Marie-Josée, qui a d'ailleurs co-écrit le livre avec vous, hein, oui. a bien. et, et la oui. technologie. <laughs> Exactement. Alors, elle a embarqué, passé à Croix, mm. l'histoire aussi. Mm. C'est beau être journaliste, mais il faut rentrer dans la, vraiment dans la, dans la peau d'un autre. Et euh, même sa souffrance, il y a un dans la souffrance aussi. Ça nous a pris euh, un an et demi pour écrire ça, ce livre-là. Et euh, il y a eu beaucoup... de où On nous appelle les sauvages, hein, oui. qui est le merveilleux best-seller qui est absolument à lire euh, de Dominique et de Marie-Josée. Oui, avec tout ça, on, on fait euh, bientôt un documentaire sous mon livre parce qu'il oui. y a beaucoup d'Autochtones qui... C'est pas dans notre... Euh, dans notre imagination de lire, puis ça cire, puis lire un livre. Hein. On a d'autres choses à faire, nous. <laughs> c est, c est, euh, moi je peux rentrer dans la forêt puis aller chercher, mais souvent les gens, les, surtout les Français, quand ils viennent, ils disent on peut tu aller faire cueillir, on peut aller cueillir les champignons On ne connaît pas les champignons, nous. Est, on est dans la forêt, mais on ne connaît pas les champignons. Mm -hmm. On ne mange pas des légumes. Mm. Nous ne sommes pas des gens qui mangent des légumes. Mm. Alors, on, on mange beaucoup de viande. Beaucoup, on est des, des trappeurs, des chasseurs, puis des pêcheurs. Alors, <coughs> il n'y en a pas de légumes, parce qu'il fait froid chez nous. Alors, la terre, maman, il n'y a pas le temps de nous donner, si on cultive. Alors, la terre est toujours, elle pas comme ici, où on est ici. Pour, je suis une heure et demie de Montréal. Là. Mais chez nous, il reste encore huit euh, heures à faire. Là-bas, le climat, ils change. Puis, il fait froid. Il fait moins 40, moins 50. Et euh, l'hiver, c'est... Je m'ennuie l'hiver parce que c'est l'hiver merveilleux. C'est sec. Ici, c'est humide. Ici, j'ai de la misère. Alors, souvent les gens ils disent aussi, mon Dieu qui font pitié les Indiens. Et euh, parce qu'ils ils vivent dans la forêt encore. Il y en a encore des gens qui vivent dans la forêt. Puis j'ai envie d'être comme eux. Ils sont bien. Il n'y a pas de casse-tête, il n'y a pas de téléphone à payer, il n'y a pas de te, euh, câble de télévision à payer, il n'y a pas d'électricité à payer. Tu sais, ils, sont, ils sont vraiment l'esprit les, tranquille, oui. silencieux, et euh, même les enfants. Tu sais, puis, euh, alors j'ai été élevé comme ça. Et euh, pour ça, ce matin, sans me tenter de venir ici, parce que ça fait une semaine que j'étais parti. Oui. Ça je sentait la sauge, hein? Oui, ça, c'est quelque chose qu'on fait chaque matin moi-même. Et euh, je, je pris toujours le matin pour mes papes et pour enlever la souffrance dans le monde entier. Alors, euh, mon mandat aujourd'hui, c'est que j'ai continué le travail que le grand-père William Commandant, des 97 ans, qui nous a quittés il y a deux ans. Et euh, c'est <coughs> lui qui m'a. que, que j'ai mon mes plumes, mon chapeau. Euh, c'est vraiment lui qui m'a... <coughs> mon père avant, après ça, c'est lui qui m'a amené euh, qui je suis aujourd'hui. Et... Euh, je suis calme. Je, je ressens cette, euh, cette sérénité, cette paix. Je sais qu'il y a un événement euh, de la paix qui va se passer bientôt. Hein. Vous fumez le calumet de la paix? Oui, Régulièrement ou c'est quelque chose annuel? Moi, je fume. Tous les jours. Toujours. Oui, c'est. Il y en a qui utilisent le chapelet, il y en a qui utilisent d'autres choses. Euh... Et Moi, j'ai fait ma pipe parce que je suis porteur des sept pipes sacrées. Et euh, ça, c'est le niveau. C'est pour ça qu'on m'appelle shoumes. Alors, avant, j'étais Mouchoum. Et euh, Mouchoum, c'est un apprenti. Alors, il y a huit ans, ça m'a pris 50 ans d'études. Pour être reconnu. C'est pas quelque chose qu'on qu court après non plus. Ça arrive euh, demain matin, il y, y a une autre chose qui va arriver. Tu sais, puis, euh, alors, on vient de passer par chez nous, dans le nord. J'arrive. Je suis arrivé hier, très, très tard. Hier était minuit et demi. Je crois que c'était un gros événement pendant quatre jours de la famille histoire du passionnat. Euh, Enlever le, encore d'autres couches. Puis, on l'a fait directement. Ça, c'est la suite de la commission. La vérité et la réconciliation mm. que le gouvernement, que les Autochtones ont demandé. C'est mm. ça qu'on a besoin. On veut s'exprimer. On veut tout enlever notre, notre douleur. Tu sais. Alors, à la suite de la commission, on, a les, on pouvait demander aussi après et, euh, la commémoration. Alors, on l'a fait. On était les premiers chez nous. Puis je félicite les gens là-bas chez moi parce qu'ils ont travaillé beaucoup. Puis c'est des, vraiment des, 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 euh, des gens que j'ai beaucoup honneur à ces gens-là parce que travailler là-dedans, comme j'ai écrit le livre, travailler encore pour la commémoration, ça réveille des, des, des fantômes, ça. Alors, on a pleuré. Pleurer, mais pas que dans quatre jours. Là. Et à euh, <coughs> travers de tout ça, on a mis de la musique là-dedans. Et euh, parce que la musique, mm. c'est la guérison aussi. Mm. Euh, alors, il y avait des chanteurs, euh, des joueurs de, de tambour, des joueurs de guitare, il y avait tout ça de monde, des, des différentes musiques qui. Euh, qu'on a écouté, puis euh, la troisième journée, c'était pas mal tout fait parce qu'il y a eu des témoignages euh, très, très durs. Hein? Des... En tout cas, on s'est vidé, là. Mmh. Mmh. On a tout mis le paquet qu'on dit, là, mmh. pour euh, essayer de tout enlever ça et de revenir dans notre identité, mmh. comme c'était avant. Mmh. C'était un cadeau qu'on s'est fait, puis... Euh, c'était simple. La simplicité, il n'y avait pas de protocole. Tu sais, C'est dans notre rythme en nous. C'est notre... naturellement. Ah, c'était naturellement. Tu il sais, n'y a pas de, de. Oui, il y a eu des dignitaires au début. C'est normal que les les, les euh, le gouvernement fédéral et provincial qui sont venus, surtout le gouvernement provincial qui est venu. Tu sais, le, le... Je suis content parce mmh. que le vice-premier ministre. Le ministre Gendron, François Gendron, qui était là. Mm. Ça, ça m'a touché. Mm. Ça, ça m'a touché. Mm. J'ai dit, waouh, c'est la reconnaissance du gouvernement puis tu sais, euh, fédéral aussi. Ils étaient là. Et, euh, mais c'est. Ça fait partie dans le processus de guérison, des l'appui qu'on a eu. Mm. Puis après ça, c'était juste à nous. Mm. Mais il y avait des Blancs aussi qui sentaient bienvenus. Mm. Ça là, c'est un beau cadeau. C'est un cadeau où je dis enfin. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est pour ça que j'ai appelé. Le, on nous appelait les savage parce qu'il y avait un con, une confusion là. Okay? Parce que moi, quand je me suis fait mettre dehors d'école, ils m'ont mis dehors d'école parce que j'étais trop violent et euh, mes watch pour <laughs> d'avoir sorti de là. Mais malheureusement, j'ai sorti de là avec la violence. Mais après ça, j'étais euh, J'aurais pris avec mes parents, mes parents, il y a ces valeurs aussi, les parents, entre-temps aussi, ils ont perdu toute leur responsabilité envers nous. C'est comme si, si on avait pris leur place d'une autre façon, mais quand même, ça se plaçait après. T'sais, on a donné tout le. La... On avait besoin de papa et de maman, et euh, s'étaient étaient disparus. Et. Euh, après, ça a été euh, la réconciliation entre, entre nos parents avant. Mm. Um, ça, a été, uh, ça a duré un mois de réconciliation, tous les jours. Des... Jusqu'à temps, parce qu'ils ne nous croyaient pas. Et tout ce qui s'est passé là-bas. Et um, quand ils ont vu que le... nous, on n'avait pas de choix d'utiliser la justice, et il y a des prêtres qui sont rentrés en prison, puis qui ont dit, ça c'est la journée cruciale pour nous. Et euh, devant le palais de justice, quand le missionnaire s'est fait arrêter pour les abus sexuels, c'est pas dans les écoles, là. C'est dans les réserves, parce que l'école était finie, puis ils continuaient. Ils continuaient mm -hmm. à aller euh, dans, les, euh, dans les réserves. Et alors, il a porté, les parents ils ont porté plainte, il y a des gens qui ont porté plainte. Puis on a vu le curé menoter avec les polices. C'était filmé jusqu'au bout. Puis euh, en, au palais de justice, il y avait du monde à l'extérieur. Et c'est là que les aînés ils ont, ils ont cru. Parce que les, le juge a demandé, vous savez c'est quoi vous, vous êtes ici? Vous êtes coupable de l'agression sexuelle. Mm. L'écurie a dit Oui, mm. je suis coupable. Mm. Alors, on a ramassé nos parents à terre, quasiment. Et euh, il a fallu que la, la force soit là, à, à l'intérieur de nous, parce qu'on aurait pu le rejeter, mais on avait pardonné avant nous. Mm -hmm. Et, euh, oui. Le travail était fait. Ben oui, c'est euh, nous maintenant, papa puis maman, on est capable de dire maman je t'aime. Tu le matin avant, c'était non. On est allé très 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 bas. Il a, a eu beaucoup de. de euh, moi j'ai bu comme tout le monde. J'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Puis j'avais peur d'être euh, jugé, d'être rejeté. Puis euh, de toute façon, on a commencé à en parler, personne ne nous écoutait. Je dis pourquoi? Alors, on a tombé dans la boisson. On il, y a pas des... beaucoup de, il y a eu beaucoup d'alcool. Ça s'est passé aussi par, à Hawaï, je vois aussi. Ça a été le cas aux États-Unis, partout. Il y a, eu, il y a, il y a toujours ces associés. Il y a cet alcool et cette drogue-là ben qui, qui vous a été donnée. Comment ça s'est passé que, Je j'arrive pas à comprendre comment les Amérindiens peuvent tomber là-dedans. Non, ce n'est pas, pas parce que c'est des Indiens. C'est les humains. Oui. On est des humains. Mais là, dans votre Et cas, dans la, dans partout, dans tous les différents peuples dans le monde entier, c'est ils vont utiliser l'alcool pour se cacher. Moi, je me suis caché. Je vais parler pour moi. Je me suis caché en arrière des bouteilles. Alors, du vin, je savais pas comment boire du vin. Je savais pas comment boire l'alcool parce que je voulais pas que mon esprit. Je ne suis pas capable de prendre la vie. Alors je me cachais, j'ai bu, j'étais itinérant, j'ai couché dans les packs, j'ai dormi dans les packs. Et euh, j'ai parti là, en travers du Canada jusqu'à Vancouver et, euh, avec mon cousin. On est parti, puis on a bu tout l'eau en s'en allant. Puis en même temps, on rencontrait les aînés, on l'écoutait. Puis là, c'était psychologiquement on rendu à, à... Ça prend un mois là, pour... Euh, parce que tu voyages avec ton, ton pouce. Puis, en ce temps-là, c'était très, très racial aussi. Quand il voit un Indien, là, il n'embarquait pas. Hein. On a marché des kilomètres et des kilomètres. On a usé nos souliers. Euh, et. Ben, C'est plus pour oublier hein, que vous l'avez utilisé. Ça. Pour l'évasion. Ouais. Pour euh, la, la fierté n'était pas là. Euh, ouais. Aujourd'hui. On peut pas. Moi, je ne je suis pas capable de dire que les Indiens sont plus touchés que, que les, tout le monde. Sont comme ça. C'est euh, quand euh, il y a une grosse blessure, bien sûr que l'alcool ou la drogue euh, anesthésie ces mots. On, on parle la, la fierté comme humain. Alors, on se lance dans la boisson et pour être bien. moi, j'étais bien dans la pas de souci. Hein, j'étais pas là de toute façon. Euh, oui. mon esprit, c'était de mauvais esprits qui arrivaient. Mm. Si alors quand on prenait l'alcool, c'est les mauvais esprits qui arrivaient. Alors j'étais batailleur, je battais qui que ce soit qui m'insultait, insultait. C'est de suite euh, mm. mes de box. Euh, alors j'étais comme ça, j'étais très violent. Hein. Mais forcément, on reproduit aussi. Si c'était si jeune que ça, vous aviez connu cette violence dans les pensionnats, forcément qu'on reproduit après le schéma qu'on a connu. Hein. Exactement ça. C'est exactement ça. On m'a donné cette violence-là. Mais après, c'est à moi à, à me reconstruire. Et euh, qui je suis? Je suis un mm. Puis je suis fier d'être un mm. Puis euh, aujourd'hui, euh, je pu serrer un homme, puis euh, c'est mon frère. Oui. C'est mon frère. Avant ça, c'était pas mon frère. Oui. Alors, euh, j'ai battu les Blancs, moi. Ah oui, j'étais euh, très bon joueur de hockey. Hein. Nous les Indiens on était très bons joueurs de hockey. Puis on profitait pour faire du mal à des blancs sur la glace. Ah oui, ah, oui on euh, c'était pas long. Hein. Puis, euh, les gars, ça glace, puis euh, ben ouais, on saute C'était là. C'est pas la haine. C'est peut-être, euh, je peux dire, peut-être c'est que c'est le règlement de compte. Oui. On les c'est pas. Mais on aimait ça fesser après eux autres. Puis, je ne sais pas, mais on était jeunes, hein? Alors aujourd'hui, on, on rit de ça. Puis le partage aujourd'hui, moi, je vis en... Premièrement, je n'ai jamais resté dans une réserve. Jamais. Je euh, ne crois pas à ça. J'ai vu partout. Euh, partout. J'ai vécu en ville. Puis euh, j'ai deux beaux enfants. Extraordinaires. Deux beaux enfants. J'ai un grand garçon de 44 ans. Et euh, j'ai une grande fille de 25 ans. Et euh, ils sont très bien placés dans la vie. En avant, ils ont bu aussi. Mais pas ma fille. Mon garçon, il a bu beaucoup. Et, euh, il voyait son, son père souffrir et tout ça. Puis, euh, moi, j'ai bu à l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et euh, ben, en travers de tout ça, on pense aussi qu'est-ce qu'on a reçu dans la vie. Mm. Oui, la souffrance, il y en a eu. C'était plus fort. Mais on oublie les enfants qui sont importants comme à l'âge de 12 ans. J'avais 12 ans quand j'ai capturé mon premier ours. Mm. D'ailleurs, il y a le, le crâne de oui. l'ours. J'ai hein? encore la crâne. J'ai mm. encore sa peau. Mm. J'ai la peau avec moi parce que c'est un, une initiation pour devenir qui je suis aujourd'hui. Alors, les jeunes hommes, quand ils ont choisi il doit euh, passer des étapes mm. alors j'en ai passé des étapes dans les c'était ma vision maintenant c'est me donner à moi et euh, de prendre tout qu est ce que les 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 aînés leur savoir ils ne sont plus là aujourd'hui ils ne sont plus là c'est ma génération qui est repris là alors il faut être solide j'ai dit tout le temps les gens on est des nouveaux visages mm. et euh, oui, et puis avoir des faiblesses aujourd'hui parce qu'on a deux cultures. Alors, euh, moi, j'ai passé cette, cette étape-là. Je suis content maintenant de dire à qui que ce soit Je suis Anisinabe. Mm. Je suis ta sœur, Je suis ton frère. Et, et tout. C est, c est, mm. euh, ouais. Comment on dit euh, euh, en amérindien merci Migwetch. Migwetch. Migwetch, mi Dominique. Migwetch. Je sais que Dominique n'est pas ton. ton Redis-moi ton, ton nom. Ton nouveau nom, puisque c'est un nouveau nom. Showmiss. Showmiss. Showmiss Kevin. Show Miigwech, mi Showmiss. C'est ça, c'est <laughs> ça. Tu pars avec euh, une partie de moi. <laughs> Miigwech, Showmiss. Puis moi, je te dirais Miigwech, ma petite sœur. Ah, hein? cool. <laughs> Merci. Merci pour cette délicieuse interview. Merci mm -hmm. d'avoir pris le temps de nous accueillir et de, et de parler comme ça, de cœur à cœur, ça fait du bien. Ça Gizag. nous guérit. Gizagin. Je t'aime. Gizagin. Oh, gizagin. <laughs> et Gizagin, mes délicieux co-créateurs, où que vous soyez dans le monde entier, je vous embrasse très, très fort. Merci.